Salut à tous, c'est Seven, c'est le canal et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de Watch Dogs. Du coup, on s'en était arrêté, ou on s'en était arrêté pas très loin, hein, mais on s'en était arrêté au moment où il fallait interroger lui. Du coup, on va regarder vite fait, donc bien présumé avec les Black Viscerow, donc à mon avis, ça devait être entre enfin, les mecs, les ennemis, quoi. Enfin, c'est pas à mon avis, c'est certainement les ennemis. Enfin, ils ont une famille d'accueil, voilà, chauffeur, livreur, 22 000 de revenus. Bon, il est au calme. Et donc j'ai pris les objets et je voulais juste vite fait faire une parenthèse sur la cinématique qu'on a vue au premier épisode où on voit une femme black bousculer Aiden. Et il m'a semblé que si vous revenez au début de la vidéo, quand je vous faisais mon introduction et qu'on voyait les visages, il m'a semblé voir une femme, cette femme là. Je sais pas honnêtement, vous me direz quoi, je vais bien le voir, je pense qu'à un moment donné on la reverra sûrement. Et voilà, on va continuer tout de suite. Let's go. J'en peux plus de galérer, putain. J'en peux plus. Tout ça à cause de l'autre et de Spears. J'ai tué sa nièce et il n'arrêtera pas avant de m'avoir retrouvé. Mais qui c'est ce mec, qui c'est? Bordel, qu'est-ce que je veux faire? Faut que je parte d'ici. Bon bah c'est tout, on le laisse là. Non, t'inquiète. Faut que je me rappelle des contrôles. Armand des Black Viscerow. Yo Maurice, qu'est-ce que tu fous, petit bâtard? Oh merde! Je peux savoir ce que t'as foutu? Quoi? C'est à moi qui parle. Je te laisse seul 2 minutes et voilà. Rends-moi les balles. Je les ai jetées. Bah quoi? Tu m'as dit que tu l'aurais tué sinon. Je t'ai juste demandé de les garder. T'étais où d'ailleurs? Un coup de fil urgent. Alors, Maurice a craché le morceau? Oh, sans déconner. Allez, on nettoie ce bordel. Et arrête d'admirer ton travail. Bah, c'est sympa tout ça, mais tu me déçois, Pierce. C'est vrai, quoi? T'as même pas remarqué mon petit coup de vis dans la guerre des gangs. J'aime pas laisser les choses en plan. Aide-moi à le sortir de là. Non, trop tard. C'est la fin de la 8e manche, Chicago mène et le match est presque fini. On n'a plus le temps. Joli coup. Bon, sinon, t'es sûr que t'es pas un petit peu curieux pour mon coup de fil? D'accord, vas-y, parle-moi de ton coup de fil. Ah, ça fait plaisir. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous fallait une diversion, donc j'ai appelé les flics. Mais non. Si, je te jure. Quand les flics arriveront et que les potes de Maurice débarqueront, ça va faire pam. Jordi, dis-moi que tu déconnes. Non, je les ai appelés eux aussi. Il va y avoir une belle baston à la fin du match. Et toi et moi, on dégage discrètement. Demain, tu me remercieras. Les suspects sont sûrement armés. Super. Des flics à l'heure. Je m'occupe de ces types. Toi, t'attrapes Maurice et tu le sors de là. Maurice? Je ressemble à quoi, moi? Un taxi? C'est lui qui a tiré. J'en ai pas fini avec lui. Connard. Police de Chicago! S'il y a quelqu'un là-dedans, identifiez-vous! Bon, faut que je me rappelle. Comme ça. Je me remémore des. Encore ici. C'est un Viceroy. Et le fusil là, ça doit être l'arme du crime. Il y en a un autre ici. Encore un Viceroy. Alors, il n'y a pas vraiment de victime. Pourquoi ils font ça le jour du plus gros match de la saison? Ils cherchent vraiment à gâcher la fête? Central, on a 2 cadavres au sous-sol du May Stadium. Partie d'un gang. Ok. J'espère qu'il n'y avait pas de trucs à prendre, sinon ben, c'est mort. OB. D'accord, c'est des points. J'ai encore. Profiler. C'est pas comme ça. Hop, on passe de caméra en caméra. C'est celle-ci, je suppose. Donc, on nous a signalé un Viceroy dans le salon VIP. On y va. Il y a un paquet de monde par contre. Dont un vétéran. Ça peut être casse-couille.
On va bien voir. Il ne bougera pas à moins que je lui donne une bonne raison. Utiliser un leurre. Alors, une fabrique vite fait quand même. C'est vite fait. Ok, hop. Allez, mort à l'hameçon. L'eau. Je vais pas choper. Bon, on a des loups qui se sont barrés. Hé, hey, monsieur! Vous, approchez! Mais c'est quoi ce plan? J'ai rien fait, moi! Faut juste parler. Quoi, c'est mes billets de feu, c'est là. Arrêtez, faites-moi voir vos mains. Hé, mais vous avez pas le droit, ça se fait pas, ça! Reculez tout de suite! Vous êtes des Viceroy, c'est ça? C'est pas illégal que je sache! Faites pas la maline. Il sort d'où l'argent pour vos billets VIP? Je suis sûr qu'ils gagnent plus que vous. Ah ouais? Hé, Didi, il leur dit rien. Calme-toi, ok? Ils ont rien contre nous. Moi, je suis à peu près certain qu'on va surtout trouver vos noms partout dans nos dossiers. Montrez-moi vos papiers, maintenant. Je te montre que dalle. Il faut une caméra et je ne sais pas. Quoi, putain de merde ! Hé, tu filmes tout ! On va le foutre en ligne, cet enfoiré ! Bon, ouais, je peux me connecter sur ce site. Je te dirais bien de sourire, mais ça marche mieux si tu souris pas. Je ne sais pas. Hé, hey, mec ! Je t'ai pas donné la permission de me prendre en photo. Ben voilà, Jérôme Richards. Trois fois rien, juste un petit mandat d'arrêt pour trafic. Alors, tu vois qu'on a quelque chose. Non, mais c'est abusé, on a des droits. Vous avez droit de garder les ah, mais voilà, c'est ça, vous avez droit. Ça se tombe depuis tout à l'heure. Va te faire foutre. Ok. Là-bas. Et lui, normalement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Quand j'ai vu son portable, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais il ne suis pas sûr. Ou alors j'ai totalement tout fumé et en fait j'ai plus d'affaires à faire. Ah si, il y avait un truc. Non, il n'y avait rien. Tac. Merci pour l'argent, ça fait toujours plaisir. Bad boy. La police va bientôt boucler tout le secteur. Il me faut une grosse diversion, sinon je suis coincé. J'aimerais couper le courant, juste le temps de filer. Dans tout le stade? Je croyais que t'avais dit que le justicier devait se faire oublier. L'électricité est reliée au CityOS, mais c'est derrière un gros firewall. Écoute, il faut à tout prix que je sorte du stade. Tu peux me trouver le point d'accès le plus proche? Dans la pièce suivante. Mais tu vas devoir trouver quelqu'un avec un pass de sécurité. Les types de la sécurité doivent avoir le code d'accès. Avec tous ces flics, il doit bien avoir un dans le coin. Hey, c'est vous, Alan? Oui. Vous avez un plan d'évacuation? Oui, bien entendu. Parfait, alors l'autre. Ah bah, il y a une caméra. Attendez, je vais évacuer 40 000 personnes pour qu'on puisse jouer au cow-boy. S'il y a un incident, allez, hop, on tire à toi. Une sous-sol, ça me pose aucun problème. Écoutez, tous les flics de Chicago vont débarquer dans le stade. Les spectateurs vont pas. Tac. Je regarde vite fait s'il n'y a pas un. Je vais prendre. Ok, bon, on prend ici. Juste se dépêcher. Ici PH2, vu d'ici la situation se complique. La coupure a détruit plusieurs projecteurs et il y a peut-être des blessés. Les gens commencent à descendre sur le terrain. On est en train de voir avec les agents du CIO pour remettre le système en ligne. Je trouve ça pour nous. Et voilà. En fait, il fallait juste speeder la nouille et puis ça passe. Jordi, où est-ce que t'es? Bah, je me suis barré. Je suis allergique aux flics. Maurice aussi d'ailleurs. Mais t'inquiète, je t'ai laissé un petit cadeau. Le pote d'un de mes potes travaille dans les voitures d'occasion. Va voir dans le garage de l'autre côté de la rue. T'en fais ce que tu veux, je m'en fous. Allez, à plus tard. Je m'approche d'un type.
Le jeu est vraiment trop beau, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On est sorti. Je peux pas faire la police, mais. Je poursuis, j'ai rien fait moi. Allez, d'accord, faut que j'aille. La voiture. Le jeu est vraiment beau. Bon, là c'est dommage, y'a personne dans les rues. Je pense que je vais faire une série. Enfin, je pense. J'ai prévu de faire une série. Comment dire. Où je présente les jeux. Je fais comme si j'étais un testeur en fait. Jackson, Trésor, je l'ai invité. Ça fait longtemps. T'es sûre que t'as fait le bon numéro, maman? Chérie, ton oncle est un peu spécial, je sais. Mais ça veut pas dire qu'il t'aime pas. Et voilà les amis, donc on va se laisser ici pour le nouvel épisode, on va écouter ce qui... Apparemment, nos infos sur Maurice étaient correctes. On a réussi à accéder au City OS par une backdoor pendant que tu occupais la police. Et puisque c'est gagnant-gagnant, on va partager. La backdoor te permet d'accéder à une portion du réseau City OS. Je vais essayer d'aller encore plus loin. Donne-moi un peu de temps. Et voilà. Donc je vous laisse ici du coup sur l'arbre de compétences et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir moi aussi. Sa famille aussi, ça pose un problème?